J-9, avant la rentrée scolaire, Hammam ou une cinquantaine d'exposants vous proposent des offres diverses pour répondre à vos besoins, du prêt-à-porter aux activités extrascolaires en passant par la culture, en plus des stands d'information, des ateliers créatifs, des conférences ou encore des démonstrations sportives sans programmer pour ces 4 jours d'exposition. On écoute ces réactions recueillies sur place par Patita Savia. Le prêt-à-porter, dont tels que les accessoires et sacs à dos, donc proposés également par plusieurs de nos professionnels. On a du soutien scolaire. Alors, du côté de la Fédération polynésienne, des différents clubs de sport qui ont répondu présent. Donc, on peut retrouver du va-a, on peut retrouver du surf, on peut retrouver également de la boxe anglaise, on peut retrouver de la natation, on peut également retrouver du rugby, du karaté, des sports de combat, des sports de contact, de la gymnastique. On a même de la baby gym hein, pour les plus petits. Voilà, en tout cas, bien sûr, les différentes enseignes qui ont répondu présent pour cet événement. Il y a très souvent des budgets défini pour cette rentrée. On a très souvent des parents qui vont regarder beaucoup le prix. On va aussi évidemment regarder le design. C'est pour ça qu'on est vraiment parti sur des sacs qui ont un petit peu de licence, quelque chose de vraiment joli. Mais on va aussi se fixer sur des prix abordables pour tout le monde parce que l'inflation a touché tout le monde. Et le salon a ouvert ses portes hier et se tient jusqu'au 6 août. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.